Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Wolf the Red Ojaris. Je préviens tout de suite, je ne parlerai pas pendant cette vidéo, tout simplement parce que je suis assez malade, durant cette vidéo et peut-être quelques dizaines de vidéos plus tard sur la chaîne, je ne parlerai pas, je dirai juste l'introduction et la conclusion de l'épisode. Allez, je vous souhaite un bon épisode, je coupe le micro. Even these woods aren't what they used to be. An underground explosion shook the area last year. Large pieces of forest are since ruined and high afloat. Courtesy of Wolf, of course. Another medal on his coat. Comment je fais pour passer? Enfin, j'essaierai quand même pas de parler un tout petit peu, mais si je vois que ça perd un cacahuète, je ne parlerai pas. Ok. Plus de morts, s'il vous plaît. Mort salte. Oui, donc je suis, on va dire, assez malade. Si c'est une petite allergie, hein. J'aimerais bien qu'elle soit passagère, mais ça se peut qu'elle dure tout le printemps. Comment je suis pas censé passer par là? Ah d'accord. J'ai fait l'idée que j'avais oublié que j'avais un double saut. Wouldn't call this a Sunday walk in the park. Wow. J'espère que vous, quand même, vous allez bien. Vous n'êtes pas malade comme moi, vous n'avez pas. On peut dire le rhume des foins. Parce que moi, c'est pire qu'un rhume des foins. Oh my, they really stunk up this place. Nothing smells the same since the odor of evil took over and poisoned flowers, trees, and clover. I just keep on surprising myself. Take that, you stupid insects. Et voilà. On continue. This is no path for race. It's hardly a path at all. Attendez, 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 comment je passe là? Ok. Faut que j'arrête de mourir inutilement. Ce serait bien. Allez, go! I just keep on surprising myself. Take that, you stupid insects! Oh, d'accord. Je comprends mieux ce qu'il fallait que je fasse. J'espère que vous m'entendez pas muter mon micro, sinon ce serait chiant. Parce que je vais beaucoup muter mon écran. Thanks for the ride. Mon micro, je voulais dire, plutôt que mon écran. What?
Thanks for the ride. You rock. Thanks for the ride. You rock. Comment je suis censé passer à travers ça, moi? C'est pas logique, hein. Thanks for the ride. You rock. D'accord, je crois. Waouh. Faut que j'arrête de mourir bêtement comme ça, moi. Hein. Allez, c'est bon, je crois avoir compris. Hein. Juste parce que j'étais trop rapide en fait. Juste prendre son temps. Voilà. Plus qu'à attendre. Et voilà. Ok. D'accord. Allez, tourne-toi. Oh, flûte, fallait pas que je saute. Ah. Pas que j'aille trop vite non plus. Accélère un peu. Ok. Ah oui, d'accord. Un petit journal. Putain. Voilà. Je vais mourir.
Allez, c'est que de la plateforme ici. Hein. Par là? Merde, je me suis fail là. Ouais? Oh non, 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 je suis pas là quand même. Je suis redescendu si bas. Faut que j'espère que je reviens ici. Oh, ça va, je suis pas trop loin. Up already. I'm not here for sightseeing. Ok, donc il suffit juste d'attendre et c'est bon. La petite action fourbe de la plateforme. Hein. Ça marche pas d'aller là, si. Non, ça marche pas. C'est vraiment pas difficile, pas facile ici. Hein. Voilà, c'est fait. Non. Pas déjà. An old woman spotted me one summer day, wandering the shores of this lake. I must have been 3 years old. Calmly, she kneeled by my side. Where's your mother, dear? Trembling, I replied, she's fast asleep. She took me home, cooked me a meal, and drew me a bath. When folding my cape, Mother's locket fell to the floor. She picked it up and instantly turned pale. Could it be the grandchild she'd been praying for? She stumbled outside towards her son, who was in the garden shoveling weed. Joseph, come inside. There's someone you must meet. I remember him walking through the door. He looked at me as if I were a ghost. I recognized the charcoal man in the picture, in the flesh at last. The father Mom told me to look for, minutes before she passed. Ok. Où sommes-nous exactement dans le journal? D'accord. Traumatized and confused, I hardly spoke the first few days. I was afraid to be alone and terrified in the dark, for it reminded me of that place. After a while, I grew more comfortable in the little house wrapped around the tree, and I slowly opened up to my newfound family. With the few words I knew back then, I told Father and Granny about the angry men, about my life in dust and darkness, and the tunnel Mother dug to set me free. About the dreadful day when she handed me her locket, bid me to go find my father, and gave her own life to help me flee. My sweet, sweet grandma. She's probably setting the table, clueless of what she's about to get on her plate. I hope I'm not too late. Dusk is hiding around the corner, and I'm guessing so is Wolf.
Oh my, there he is. The devil in person. Wheels against heels. Seriously? You're not gonna get away with this. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead pour la chaîne Tipeee HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.